Eh bien bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vito Steak, c'est Vito. Et pour ce nouvel épisode, on attaque une nouvelle rubrique du site Vito Steak. Vous savez, c'est la nouvelle année, on attaque des nouvelles rubriques et je vais commencer cette rubrique par qui s'appelle Gadgets. Tout simplement, c'est le premier épisode. Donc, aujourd'hui, on commence par trois petits gadgets. Trois petits gadgets. Donc, deux gadgets que j'ai donc découvert cet été, un peu par hasard. Alors, je connaissais déjà, mais voilà, c'était un peu une découverte. Et puis, un gadget qui m'a bien servi durant cet été. Voilà, donc on va partir donc pour cette présentation de trois petits gadgets. Commencer tout de suite par le support mural. Donc, c'est un petit support en fait qui va vous permettre d'accrocher directement votre smartphone à la prise électrique. Vous allez en fait venir brancher. Donc là ici vous avez la prise. Vous allez venir brancher, mettre votre chargeur ici et ensuite venir reposer votre smartphone donc à cet emplacement. Voilà. Donc c'est un gadget vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Moi je trouvais ça intéressant, c'est vrai que ça évite finalement d'arracher le câble ou voilà, dès que vous avez une petite couille, voilà, ça fait voler votre téléphone quand vous le rechargez. Là, vous avez un petit gadget qui coûte, je sais pas, 2 euros, je crois, trouvé pour information à Jiffy, qui, franchement, j'ai juste rien à dire, c'est un petit gadget sympa. Bon, après, il faut une prise bien verticale, vous pouvez pas les mettre sur les multiprises, etc., ça a aucun intérêt, voilà, donc ça c'est le premier gadget. Le deuxième gadget, c'est cette petite ventouse. Alors, c'est en fait une sorte de petit support smartphone. Vous allez venir en fait le ventouser à l'arrière de votre téléphone, comme ceci, et ensuite le poser. Alors, attendez, là vous devez rien voir. Le poser sur la table. Alors, ça tient plus ou moins. Voilà. Donc, pour un petit smartphone, c'est parfait. Vous voyez, vous venez ensuite le mettre en mode paysage. Donc, ça vous permet quand même d'avoir voilà, de regarder des petites vidéos, etc. Alors par contre, un petit détail, c'est que là c'est mignon sur un iPhone tout léger, mais là dès que vous le mettez sur une tablette, ouais, alors ah bah tiens, ça tient là. Ouais, voilà, donc là ça s'effondre, d'accord? C'est très souple, donc on va dire que ça permet pas vraiment d'être utilisé sur des appareils plus lourds. Voilà, bon, ça coûte 2 euros, je trouve que c'est marrant quand vous êtes en camping, etc. Poser ça sur la table, etc. Ensuite, le dernier gadget qui là par contre m'a été très utile durant mes vacances. Voyage dans une ville étrangère, forcément, on prend le GPS et on n'a plus de batterie. Donc c'est une petite batterie externe de 3000 mAh disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description à je crois 10 euros, un truc comme ça. Donc en fait, vous avez deux ports. Vous avez un port USB classique. Donc là, vous venez brancher le câble USB et ensuite charger dans votre tablette ou votre smartphone. Voilà, donc vous venez brancher ici. Toc. Voilà, c'est branché. Vous appuyez sur le petit bouton ici. Et là, boum, ça se met à charger votre tablette, votre smartphone, peu importe. Voilà, donc c'est un petit gadget. Alors attendez, je vais baisser la caméra. Voilà, là vous verrez mieux. Donc c'est un petit gadget vraiment sympathique. Donc là, pour le débrancher, on l'éteint. Il se recharge en branchant ici, en fait, tout simplement. Vous branchez, vous inversez les prises. Voilà, c'est un gadget vraiment sympa. Donc, je sais pas si vous voyez, mais ça fait. Alors, attendez, je sais pas si on va voir. Voilà, ça fait 3000 mAh. C'est, je trouve, assez marrant. Voilà, ça permet de se dépanner. Voilà, donc c'est tout pour ces trois petits gadgets. Je vais essayer de vous mettre des liens. Alors, notamment pour le petit bitonio là que j'ai trouvé pareil à Jiffy, mais je pense que sur Amazon il doit être trouvable à beaucoup moins cher. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Donc, si vous avez aimé, si vous avez des idées de gadgets, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou etc. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager si vous avez apprécié, à vous abonner aussi, hein, n'oubliez pas. Et puis rendez-vous sur vitostech.fr pour plus de tech. Salut les amis!